Hello, it's Moggy. Salut, c'est l'aspirateur. Donc on va parler donc d'un jeu Mega Drive cette fois, donc de l'adaptation jeu vidéo de Dick Tracy qui est sorti donc sur Mega Drive Sega Genesis en 1990. C'est marqué quelque part là, ouais, en bas là. Donc Dick Tracy à la base c'était un comics, donc c'est un très vieux comics, un très très vieux comics, bah peut-être même parmi les derniers. Donc on jouait un détective privé, je crois, qui avait un super imper jaune et qui avait quelques petits gadgets à la con, et c'était assez. Moi j'avais vu le film à l'époque, donc là, une petite intro pour parler du film. Donc, le film, je l'avais vu étant petit, je m'en souviens plus du tout. Et ce qui était marrant avec le film, c'est que ça reprenait bien l'ambiance du comics, parce que c'est genre un peu sombre et tout, et puis surtout le côté polar un peu délirant, et surtout il y avait un délire, c'est que dans le film il y avait vraiment des couleurs, c'est genre flashy, genre Dick Tracy il avait son imper jaune, le méchant Big Boy interprété par Al Pacino quand même, donc lui avait un costume mauve, mais bien mauve, hein. Enfin non, violet même, enfin, c'était même pas mauve. Et donc c'était la particularité du truc, donc l'acteur qui jouait c'était Warren Beatty, qui jouait Dick Tracy, je veux dire, c'était Warren Beatty, et il y avait aussi Madonna qui jouait dedans, donc il y avait du beau monde dedans. Donc maintenant on va parler du jeu, donc je vais laisser l'aspi parler parce qu'il a beaucoup plus beaucoup plus joué au jeu que moi, parce que moi j'avoue que j'y ai très peu joué à ce jeu. Voilà. Ouais, alors ça, pour moi, ça c'est un jeu vraiment nostalgie. C'était un des jeux qui m'a le plus marqué à l'époque sur Mega Drive. Non pas parce qu'il est excellent, mais parce que je sais pas. Enfin, il est arrivé dans une période où je sais pas. Voilà. Donc c'était la période où les jeux Mega Drive se font bon. Voilà. Une très bonne période. Voilà. Où, en fait, le trip du jeu, c'est déjà ça se base sur ces phases-là où on marche, se base sur deux plans. Un plan où c'est en face de nous, premier plan, où on joue Dick. Qui... On est horizontal, c'est mon but de mec à l'horizontale. Où on saute comme dans Mario. À l'horizontale, et dans Sonic, parce qu'on avance. Voilà, et comme dans Sonic, parce qu'on avance. Et donc là, on shoot des mecs à droite et à gauche. En face aussi, il y a des mecs qui débarquent, donc on les bute à la mitraillette. Le truc qui tuait, je me rappelle à l'époque, où moi ce qui me faisait délirer, c'est qu'on pouvait éclater des vitres. Quoi, t'as dit quoi là? Ah ouais, je fais le pistolet, ce que j'ai à fond dedans là. Vous avez le pistolet avec les mains. Bip. Voilà, donc en fait on pouvait éclater genre des vitres. Si jamais il y avait un bâtiment avec des vitres, on tirait à la mitraillette, on éclatait les vitres. Donc moi je trouvais ça cool. Aussi, on avait le flingue. Bip bim. Et la mitraillette. Bip bim. Parce qu'il y a une plus grande cadence, on fait bim. Bon, aussi, on pouvait mettre des coups de poing. Et là d'ailleurs, bim. Le niveau là, c'est un niveau où on peut mettre que des coups de poing. Donc que du premier plan. Et voilà, et on met que des coups de poing à ses ennemis. Et pour les fans de Mandal, c'était le bonheur. T'en mettais des mandales aux méchants, hein. Tu t'asseyais pour boire un bon petit Ricard, hein. Et après tu leur tapais sur la tête en disant, alors, vous êtes réveillés. Ah, j'espère que t'en as compris des bien belles avec moi, hein. Voilà. Donc c'est un jeu difficile, donc là t'as arrivé à GE, parce que là c'est pas moi qui fait la capture d'écran, là c'est toi, qui joue et tout. Là c'est moi et... T'as réussi à gérer, comme moi avec R-Type, j'ai réussi à gérer, toi aussi, tu étais à fond dedans. Ouais, j'ai réussi à gérer, parce que le jeu est extrêmement dur. Enfin, la dernière fois que j'ai essayé de m'y remettre comme ça un peu à l'arrache, j'ai vraiment galéré, enfin dans mes souvenirs, je finissais ce jeu et je me rappelais pas qu'il était aussi dur. Voilà, donc là par exemple vous allez voir que des passages à pied. Ce qui est dommage parce que je voulais vous montrer en fait le passage en voiture aussi. Où c'est un passage où en fait on est sur une voiture. Et c'est pareil. Sur une voiture. Non, en fait, on est à la portière d'une voiture. Et en fait, il y a des ennemis qui arrivent et on les bute, en fait. À la manière, truc d'avant, premier plan, second plan, où il y a des mecs, on les bute à la mitraillette, d'autres au flingue. Mais c'était un passage qui était vraiment. Enfin, où je me rappelle qu'on était à fond dedans. Enfin, moi, j'étais à fond dedans. Parce que c'était un passage un peu dur et tout ça, où il fallait vraiment des bons réflexes. Enfin, c'était vraiment un jeu où il fallait des super réflexes. Parce que, comme vous avez pu le voir déjà avant, quand il y avait des mecs au second plan, donc au fond. Qui nous tirait dessus, il y avait des sortes d'impacts de balles qui se rapprochaient de Dick. Non, je suis mort. Non. Je suis désolé. Mais il y a des impacts. C'est pas grave. Allez, faites-le revivre. Là, il vit, regarde. J'ai eu peur. Mais oui, c'est pas grave, faut arrêter de pleurer. Ouais. Donc quand on se fait tirer dessus au second plan, il y a des sortes d'impacts de balles qui se rapprochent de Dick et on flippe de se faire tirer dessus. Voilà, donc au niveau d'avant, les mecs avec des flingues. Donc les impacts de balles arrivent doucement, donc voilà, c'est facile. Mais après les mecs ont des mitraillettes et c'est beaucoup plus dur. Et on se chie dessus des fois. Et ça c'est chiant, parce que c'est chiant, c'est tout. Non, c'est un peu relou. Relou parce qu'on est merde.
comme de la dynamite. C'est des grenades. C'est de la dynamite. Ouais, la dynamite. Mais en fait, il y a un boss un peu plus loin qu'on ne verra pas, qui jette aussi de la dynamite. Et lui, il fout les boules. Voilà, ça fout les boules. C'est un jeu, mais il était long ou court? Bah, remarque, le jeu à l'époque était court, mais ce qui faisait qu'il était long, c'est qu'on les recommençait 10 000 fois. Voilà, c'était un peu ça le truc. Mais celui-là, comme il était très très dur et qu'on n'avait pas beaucoup de. Enfin, les crédits et tout ça. Là, le mec bleu qu'on voit, c'est un boss. Ou en haut à droite, il y a sa barre Ichi. Non, pas Ichi. Ichi. C'était con. Oh là là. Je m'excuse. Je suis désolé pour toi. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-moi encore. Je m'excuse. Allez, ah, c'est bien. Allez, allez. Il faut que les gens apprécient. Il fait chier. Il fait chier à dire des conneries. Je suis désolé. Donc, sinon, on peut. Là, j'en profite pour faire une petite pub encore à l'arrache. Hein, donc. Si vous aimez les vieux jeux et les vieux jeux, donc de l'âge d'or et l'âge d'avant de l'âge d'or, si vous aimez tous ces vieux jeux là, vous pouvez acheter le livre magazine Pix & Love, qui est un excellent ouvrage. Donc là, le numéro 2 est sorti. Donc pour plus de renseignements, si vous voulez vous le procurer, là il y a une adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Voilà. Donc allez-y et vous en saurez plus si vous êtes intéressé par ce MOOC. Donc c'est un livre magazine. Donc voilà. Elle était marrante l'adresse. Elle était drôle l'adresse. Elle me fait rire celle-là. Mais c'est vraiment, enfin, c'est un jeu pour tous ceux qui ont une Mega Drive que je conseille, parce que c'est vraiment que du bonheur. Ce jeu. Bah ouais, moi j'ai très 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 peu joué. J'ai joué une seule fois, pour être franc, à l'époque, c'était même pas le mien. Tu vois. Est-ce que c'était à l'époque où on se prêtait les jeux? C'est à l'époque, la grande époque où je m'en souviens, les téléphones portables n'existaient pas, donc. Quand on voulait voir un copain, genre le mercredi après-midi, il fallait utiliser, on prenait le combiné du téléphone fixe. Donc il y avait même ceux qui avaient des vieux téléphones, les et l'autre qui écoutait derrière avec l'autre petit combiné là, la con là, tu pouvais pas parler mais t'écoutais seulement. Ok, puis il y avait aussi le téléphone normal. Hein. Mais pour voir les copains, on les appelait, on leur fait bonjour, est-ce que Jérôme est là s'il vous plaît? Après, on disait, oh, oui, je le cherchais. Et souvent après, Jérôme arrivait par exemple et il disait oui, je peux venir, on ira boire un Fanta ou du Tang. Du Tang, tu sais bien, le truc qui devait des remontées acides et qui te faisait gerber, une espèce de poudre à l'orange que tu mélanges avec de l'eau, et c'était hyper chimique, dégueulasse. D'ailleurs, c'est jugé comme étant l'une des boissons, l'un des coups marketing les plus foireux de l'histoire de France, à ce qui paraît. Comme les Bamboula, je sais pas ce que tu connais, les gâteaux Bamboula. Il existait avant des gâteaux ignobles Bamboula avec une mascotte ignoble aussi. Et ces gâteaux ont été interdits parce qu'il y a eu. Il y a eu quelqu'un qui en a bouffé qui est mort. Oui, non, mais c'était bien. Il y a eu plusieurs morts. Voilà, donc c'était. Ouais, vas-y. Enfin, il y a eu plusieurs morts en fait avec ces Bamboula. C'était pas des bons gâteaux. Donc, comme les Tang qui est aussi une merde. Comme les Banga. Voilà, ou comme les kebabs à Paris, kebabs, des fois. Les Paris qui sont dégueulasses à Paris. Voilà. Donc là, c'était des anecdotes, parce que comme là, on est dans le rétro, dans la nostalgie, donc je vous fais passer ces moments. Ça rappelle l'époque où il y avait Micro-Kids à la télé. Micro-Kids. Voilà, où Gens 4 s'appelait encore Génération 4, le magazine. Il y avait 100% Amstrad, là, je sais pas quoi. Le truc d'Amstrad avec le croco de l'Amstrad. Ah là là, c'était la classe cette époque. Donc on peut en profiter pour la fin de la vidéo pour faire d'autres big up, parce que tout à l'heure on a fait sa vidéo de je sais plus quoi de Mass Effect. Donc là on a un peu le temps, comme on a dit, donc big up à tout le monde, genre à tous ceux qui nous envoient des mails, qui nous encouragent sur notre boîte mail, qui laissent des commentaires sur le site ou sur Dailymotion, etc. Donc parce que là, mine de rien, là on commence à avoir de nombreuses personnes qui viennent nous voir, donc ça fait plaisir. Donc on va continuer à en faire, on va continuer à recevoir de nombreuses guests. Donc là on a vu avec quelques-unes guests pour qu'ils viennent faire un petit coucou, donc que ce soit du milieu de la presse ou pas, donc des gens qu'on estime avant tout, parce qu'on va pas faire venir n'importe qui. Donc y aura de nombreuses surprises encore. De nombreuses pour ceux aussi qui on aimerait réclamer, parce qu'il y a aussi. On remercie aussi tous ceux qui nous proposent de faire tel ou tel jeu. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout est noté. Donc les Alex Kidd, Kirby, etc. Vont arriver, hein, donc on vous rassure. Donc histoire de faire plaisir aussi à tout le monde. Donc voilà, donc un big up à tous ceux qui nous ont des messages, donc Chrono Girl, Link, Satmar, Amir,
J'en oublie. Lune à délire, Machette. Il y en a un que j'oublie. Telium, Derbiter, etc., etc. J'en oublie plein. Tout le forum Gaemon aussi, qui sont là, qui font des bisous et tout. Je fais un big up au mec qui a fait la musique de jeu parce que je la trouve mortelle. Ah, la musique de jeu. Voilà. Est-ce qu'elle est mortelle? Elle est mortelle, la musique de jeu, mon ami. Mais c'est bien dictrice. Tu veux dictrice, mon ami? Oh. Ah. Donc dictrice, un excellent jeu sur Mega Drive. Donc un jeu à réacheter, même à réacheter plusieurs fois, même si vous voulez.